Bonjour à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 35e épisode de Let's Play sur The Witcher. Alors, on reprend là où on s'était arrêté. Donc, on est aux portes de la guerre entre Vergen et les troupes de Emavent, il me semble. Endossez l'armure du courage. Soyez sans pitié. Salutations. Les dieux vous accompagnent. Et tous vos péchés seront on doit pardonnés. Parler à Zoltan. Il doit être, j'imagine, près de l'auberge ou près de la porte. Plutôt près de la porte. Oh, oh. Exécution. Et s'entraîner. Ça va on n'est pas là. Il n'est pas à l'auberge. Nous n'avons aucune chance. Au cas où, je vais manger une fois. 133, c'est bon. Je vais en casser les dents. Je suis pas pressé de mourir. Les gens de mourir. Zoltan, prépare la défense de la grande porte. Je couvre les murs. Avec une telle défense, l'épée d'Enselt va se plier en deux. Grimpons sur ces murs. Les Caedwenniens arrivent. Réservons-leur un accueil chaleureux. Alors comme ça, tu es général, Zoltan. Et pourquoi pas maréchal, plutôt? Saskia s'est mis dans la tête que ce serait Yarpen ou moi. J'ai gagné à la courte paille. Enfin, tu es là. Enselt ne devrait plus tarder. Pourquoi? Il serait déçu de ne pas me voir? Il déprimerait énormément, oui. Enselt est un chef de guerre expérimenté. Expérimenté, mon cul! Quand ils seront devant nos murs, on les aspergera d'huile bouillante et on les fera rôtir. Fais ce que t'as à faire. Et les têtes caedwenniennes tomberont comme des mouches. Caedwenniens, en approche! Ils se sont multipliés ou quoi? C'est l'heure du bain d'huile bouillante. Il y a les valves sur le côté des chaudrons. Il faut les ouvrir. Je prends le côté gauche. Toi, le côté droit. Ça, c'est fait. Allez, on reprend la sauvegarde. Activer le mécanisme. Oui, mais j'ai pas mes armes. Là, c'est ça le problème. Négociateur 16-29, épée noire et harpie. Voilà. Avant de me mettre en combat, je vérifie. On est à plus 22. C'est dans l'amélioration. Empoisonnement. Oui, bah. On augmente les dégâts maximum. Allez. Cas sur l'épée en acier. C'est leurs culs qui vont nous arroser! Vite, Gérald! Si on ne les arrose pas d'huile, c'est leurs culs qui vont nous arroser!
que je sais bien, mais là il y a... Vigérage ! Si on les arrose pas vite, c'est leurs culs qui vont nous arroser ! Là, 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 je l'ai vu. Vigérald, si on les arrose pas d'huile, c'est leur cul qui vont nous arroser. Voilà. On se replie derrière la deuxième porte. Sinon, ils vont tous nous tuer. Repli. Thank you.
pas la meilleure idée des siècles, Gérald. C'est toujours le nombre, le problème. Arrête de couper les mouches! Au mur! Et que ça saute! Tout de suite, chef. Maintenez les rangs! Montrez-leur comment on se bat en Edirne! Le haut Edirne! Saskia! Ça.
s'il y a des contres. Parfait. Voilà, massacré lui. Ok. On a repoussé les Kedweniens. Ils n'abandonneront pas si facilement. Puisqu'ils sont bêtes comme leurs pieds. On va leur faire bouffer les nôtres. Je vais en profiter. Non, c'est pas là. C'est ici. Alchimie. Potion. Une hirondelle, une chahuant. Come on!
Alors c'est bon, nous sommes partis. Bah, c'était pas facile. Et voir ces vauriens déguerpir, ça valait le coup. Ils reviendront. Ils sont aussi têtus que des nains. Les burnes en moins. Sorceleur, j'ai besoin de votre aide. J'entends ça de plus en plus souvent. Il semble que vous soyez irremplaçable. Sous la ville, un passage souterrain relie le donjon aux mines des nains. Qui connaît ce passage ? Pratiquement personne, mais je veux le protéger au cas où. J'ai envoyé un détachement d'éclaireurs, mais aucun n'est revenu. Si Ensel te découvre ce passage, il nous tient. J'y vas pas par quatre chemins ! S'ils attaquent des deux côtés, nous ne tiendrons pas. C'est le bon moment ! Les lavettes d'Ensel sont en train de panser leurs blessures. Il leur faudra environ une heure pour reformer les troupes et préparer un nouvel assaut. Le temps presse, je viens avec vous. Je préférerais que vous me confiez un détachement. Je ne réorganiserai pas les troupes maintenant. Telle quelle, la défense est solide. Et à moins qu'ils ne nous attaquent par les mines, nous maintiendrons la position. Soit, c'est vous qui décidez. Dépêchons. Vous m'étonnez, je croyais que la politique n'intéressait pas les sorceleurs. Je me fiche de la politique. Mais vous avez pris parti. L'armée, là ? Le parti de Zoltan, de Yarpen. Vous les auriez suivis s'ils s'étaient battus pour Kedwen ? Aucun nain ne suivrait Ensel. Allez, avance. Ok, avant. Ah oui, d'accord. Oh, joli. Suite sagacité au combat, c'est ça. Ça peut être intéressant aussi. Ok. Allez, vas-y, m'attends pas, quoi. Va devant la porte. Je prends les devants. Restez derrière moi, d'accord. Saskia. Un sorceleur galant ? Encore une surprise ? C'est le monde à l'envers. Allez, t'attends quoi ? Yeah!
mère. Bientôt à Vergen, vous allez les prendre par surprise. Vergen est en danger et la Vierge d'Eidirn court les grottes avec un sorceleur. J'en connais une qui a envie de se faire déflorer avant de mourir. Tuez-les. On va s'arrêter là pour cet épisode et on reprendra dans le suivant. En attendant, eh bien merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire avec des commentaires, les pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye.